Insoumise, je voudrais apporter une précision importante. C'est que Révolution soutient la candidature de la France Insoumise à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon, et ce, dès le premier tour. Nous le faisons pour deux raisons principales. La première, c'est que Mélenchon, à gauche, est le seul qui peut battre Macron, et tous les autres candidats de droite et d'extrême droite. Alors, si on regarde les sondages, on voit que c'est loin d'être fait. Les sondages soulignent qu'il n'a pas réussi, notamment, à consolider ses 7 millions de voix qu'il avait eues en avril 2017. Alors pourquoi? L'explication superficielle que l'on entend souvent dans les médias, c'est Mélenchon, on l'a assez vu, ou Mélenchon est trop agressif. Mais en fait, dans la masse des abstentionnistes, c'est pas du tout le problème. Ça s'explique par toutes sortes d'erreurs depuis avril 2017, notamment des alliances qui ont été faites aux élections régionales et municipales avec le Parti Socialiste et les Verts, c'est-à-dire qu'une des forces de la France Insoumise était justement d'avoir rompu avec le Parti Socialiste, qui s'était décrédibilisé parce que quand il était au pouvoir, en fait, il avait mené tout simplement des attaques contre les travailleurs. Et le fait de revenir un petit peu vers la droite comme ça avec ces alliances-là, eh bien, ça a fait perdre à la France Insoumise tout cet électorat qui était dégoûté par les magouilles et par les trahisons du Parti Socialiste et des Verts. Aussi, depuis 2017, il y a eu une modération générale du discours de Mélenchon, de la France Insoumise en général. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de social. La campagne de 2017 avait été assez radicale avec des mots d'ordre comme résistance, dégagez-les tous, révolution citoyenne, etc. Et juste après l'élection présidentielle, ça, on l'entendait un petit peu moins. Il y a une campagne européenne qui était sur un discours écologiste, déconnecté un petit peu justement du social, de la vie réelle vécue par la classe ouvrière française. Il y a aussi le refus de la France Insoumise, et ça, il faut bien comprendre cet argument, de donner une direction politique au mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est au final ce qui a fait perdre le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que la France Insoumise aurait dû donner un débouché politique aux revendications des Gilets jaunes, et non pas adopter une attitude que nous, on considère de suiviste, en langage marxiste. C'est-à-dire soutenir, alors c'est déjà pas mal parce qu'elle a soutenu le mouvement des Gilets jaunes, hein. Il y a d'autres forces à gauche ou à l'extrême gauche qui n'ont pas fait comme ça, mais elle a soutenu de loin, alors qu'elle aurait dû guider en fait le mouvement des Gilets jaunes vers l'accomplissement de leurs revendications, dont la principale, je le rappelle, au paroxysme du mouvement des Gilets jaunes, qui était le renversement du gouvernement, un changement de gouvernement. Quelle autre force à gauche en France aurait pu guider les Gilets jaunes vers un changement de gouvernement? Il n'y avait que la France Insoumise en fait. Alors au début, beaucoup de Gilets jaunes se disaient apartisans. Normal parce qu'ils étaient dégoûtés tout simplement par les trahisons de la social-démocratie, du Parti Socialiste, des directions syndicales également. Mais la France Insoumise aurait dû montrer dans la lutte qu'elle ne trahirait pas en donnant de bons mots d'ordre, d'organisation, de grève, en donnant une stratégie efficace de lutte contre le gouvernement et sans oublier que beaucoup de militants insoumis, si ce n'est la majorité, étaient également des Gilets jaunes. Et enfin, également, le refus de transformer la France Insoumise, le mouvement France Insoumise, en un parti contrôlé démocratiquement par ses adhérents. C'est-à-dire que dans la France Insoumise, en fait, tout est contrôlé par le haut. Comme dans à peu près tous les mouvements qui se disent horizontaux, hein, Mélenchon qualifie la France Insoumise d'un mouvement gazeux. Et en fait, les adhérents de la France Insoumise n'ont pas voix à dire sur la ligne politique de l'organisation, enfin de la France Insoumise, ne peut en aucun cas contrôler ses chefs, qui ne sont ni élus, ni révocables, et donc pas responsables, au final, de leurs actes devant les adhérents de la France Insoumise. Et ça, ça a dégoûté beaucoup de militants de la France Insoumise, juste après la campagne de 2017, qui ont quitté, au final, les groupes d'action, qui sont les comités de soutien, en fait, locaux de la France Insoumise. Alors, ceci dit, malgré toutes ces erreurs, eh bien, c'est la France Insoumise, encore, qui domine la gauche. Il n'y a aucune autre force qui a émergé depuis, et donc concrètement, à quelques semaines du premier tour, là, c'est la seule force qui peut l'emporter. Alors, est-ce qu'elle peut l'emporter? Oui, c'est possible, c'est pas exclu. Je sais pas si vous vous rappelez 2017, mais en février, elle était à 10%, et elle a fini à 19,5%, presque 20% en avril. Donc, c'est une dynamique de campagne, avec un Mélenchon qui est assez radical, qui arrive à aspirer l'exaspération des masses. C'est possible, en fait, qu'il arrive au deuxième tour. La deuxième raison pour laquelle on soutient la candidature de Mélenchon, c'est parce que le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, est clairement plus radical que le programme du Parti Socialiste, que le programme des Verts, et que Taubira, qui elle n'a pas de programme, hein, mais on la connaît, elle a participé au gouvernement réactionnaire de François Hollande. Pour le dire autrement, le Parti Socialiste et les Verts constituent l'aile droite du réformisme, c'est-à-dire qu'ils soutiennent corps et âme le système capitaliste. Alors ils parlent d'améliorer quelque peu les conditions de vie des jeunes et des travailleurs, mais sans lever le petit doigt, jamais, contre les privilèges, contre le pouvoir et contre les intérêts directs de la classe dirigeante.
En fait, ils sont un petit peu comme des laquais qui seraient assis comme ça à la table bien garnie de la bourgeoisie, qui essaieraient de faire tomber quelques miettes discrètement en direction du peuple, mais qui s'empêcheraient jamais de faire mille courbettes et mille sourires à leur maître de la bourgeoisie. Ça, c'est la vraie nature, en fait, du Parti Socialiste et des Verts. Et en conséquence, ils proposent des réformes dans leur programme extrêmement modérées. Et extrêmement modérées, notamment dans le cadre, dans le contexte d'une crise du capitalisme très profonde, parce que dans ce contexte-là, la bourgeoisie, elle exige. Et elle n'exige pas des réformes, c'est-à-dire qu'elle n'exige pas l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des travailleurs. Ce qu'elle exige, c'est des contre-réformes, c'est-à-dire un transfert massif, en fait, d'argent de la poche des travailleurs dans la poche du grand patronat. Et on sait exactement comment tout cela finit, comme avec le gouvernement de François Hollande, c'est-à-dire une politique entièrement dévouée aux intérêts de la bourgeoisie, et les réformes qui étaient présentes dans le programme deviennent des contre-réformes une fois arrivées au pouvoir. Et si le Parti Socialiste et les Verts arrivaient au pouvoir, ce serait exactement la même chose que le gouvernement de François Hollande. La direction de la France Insoumise, elle, c'est l'aile gauche du réformisme. C'est-à-dire qu'elle critique le capitalisme, ça on l'entend des fois de la bouche de Mélenchon, hein. Il critique ouvertement le capitalisme français notamment, il propose de nombreuses réformes qui seraient très progressistes si elles étaient appliquées, mais, et c'est là le problème, on va en reparler, jamais Mélenchon ou les autres de la France Insoumise ne vise, enfin de la direction en tout cas, ne vise le renversement du capitalisme. Et ça, c'est le principal problème. Je vais y revenir juste après. Soit dit en passant sur le Parti communiste français. Le programme du Parti communiste est très proche du programme de la France insoumise. C'est-à-dire que ce programme se situe en fait dans l'aile gauche du réformisme. Par contre, il alterne entre gauche et droite, notamment avec les sorties assez droitières de son candidat Fabien Roussel, notamment sur la police, sur l'immigration, le fait qu'il participe à des manifestations réactionnaires de la police, etc. Mais si cette année, le Parti communiste français ne soutient pas Mélenchon, c'est pas du tout lié à des divergences programmatiques qui au final sont complètement artificielles, c'est simplement parce que l'appareil du Parti communiste cherche à défendre ses propres intérêts, son propre réseau d'élus, son appareil, etc. au final au détriment de la classe ouvrière française, ce qui est bien dommage. Et si vous regardez les médias, ils se réjouissent de cette candidature en disant que Fabien Roussel devrait être le candidat de toute la gauche, tout simplement parce que ça pourrait empêcher Mélenchon d'arriver au second tour en lui enlevant 1, 2, voire 3 points si on est gentil. Donc la France insoumise est réformiste. Mais ici, il faut clarifier un point important pour les marxistes. On entend souvent dire « les marxistes sont contre les réformes ». Vous, les marxistes, c'est soit révolution, soit c'est rien du tout. Eh bien ça, c'est complètement faux. En fait, les marxistes sont absolument favorables à la lutte pour des réformes, même dans le cadre, justement, du capitalisme. Sans la lutte quotidienne pour des salaires, pour de meilleures conditions de travail, contre les oppressions, en fait, la révolution socialiste serait complètement impossible. Parce que c'est à travers la lutte pour des réformes que les travailleurs prennent conscience de leur nombre, de leur poids social, de la place qu'ils occupent dans le processus de production, dans la société, qui tirent les leçons de leurs échecs, de leurs victoires, et qu'ils acquièrent l'expérience. Et une expérience sans laquelle il serait impossible, en fait, d'arriver à la révolution socialiste. C'est fermé. Oui. Bonjour. Bonsoir. Donc, les marxistes ne s'opposent pas aux réformes. Les marxistes ne s'opposent pas aux réformes. Ce à quoi les marxistes s'opposent, il faut faire la nuance, c'est au réformisme, c'est pas la même chose. Le réformisme, il faut bien comprendre la nuance, hein, la définition. C'est pas la lutte pour des réformes. Le réformisme consiste à limiter la lutte des classes à une lutte pour des réformes. C'est-à-dire que les dirigeants réformistes, en fait, expliquent aux travailleurs qu'ils doivent se contenter de réformes et que le renversement du capitalisme n'est ni nécessaire, ni souhaitable. Conséquence, quand ils arrivent au pouvoir, ils renoncent aux réformes et passent directement aux contre-réformes, tout simplement parce qu'ils acceptent les lois du capitalisme et qu'ils ne veulent pas le renverser, François Hollande. A l'inverse, les marxistes, eux, s'efforcent de lier la lutte pour des réformes à la nécessité de renverser le capitalisme. C'est-à-dire qu'on explique que tant que le capitalisme ne sera pas renversé, toute réforme concédée par la classe dirigeante sera reprise à un moment donné. On a plein d'exemples dans l'histoire, en 1936, en mai 68, on l'a vu la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et en particulier, la bourgeoisie reprend toutes les conquêtes sociales du passé de la classe ouvrière en période de crise du capitalisme. Exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années, hein, sur les retraites,
l'assurance chômage, la sécurité sociale, l'hôpital, le code du travail, etc. Il y a une remise en cause de toutes nos conquêtes sociales du passé. Et il faut savoir que la bourgeoisie française est d'autant plus déterminée que le capitalisme français connaît un déclin sur le marché mondial depuis plusieurs décennies. Donc la bourgeoisie exige ce qu'on appelle, vous l'entendez souvent sur les plateaux télé aussi, un choc de compétitivité. C'est-à-dire un transfert massif d'argent des poches des travailleurs vers les poches du patronat. Et ici, on arrive au cœur du débat sur le programme de la France insoumise. Il faut savoir que l'avenir en commun est aux antipodes de ce dont la bourgeoisie française a besoin. C'est-à-dire que le programme de la France insoumise propose un transfert d'au moins plusieurs dizaines de milliards d'euros par an des poches du grand patronat vers les poches des jeunes, des travailleurs, des retraités et des chômeurs. C'est-à-dire un transfert inverse de ce que veut réellement et de ce dont a besoin objectivement la bourgeoisie française. Et je dis au moins plusieurs dizaines de milliards parce que c'est peut-être plus de 100 milliards par an. Alors c'est très dur à chiffrer, mais peu importe, c'est beaucoup. Quelques exemples, des réformes de l'avenir en commun. L'embauche d'au moins 2 millions de fonctionnaires, là aussi peut-être davantage. L'augmentation immédiate du SMIC à 1400 euros net. Les minima sociaux immédiatement relevés, RSA, minimum vieillesse, etc. Plus un seul Français avec moins de 1063 euros par mois, et ce dès l'âge de 18 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pauvreté dans le pays avec les critères actuels. Une sixième semaine de congés payés. La gratuité totale de l'éducation, université comprise. La gratuité totale de la santé, etc., etc. Alors bien sûr, nous soutenons toutes ces mesures. Comment ne pas les soutenir? En fait, elles se traduiraient par une très nette amélioration du niveau de vie de dizaines de millions de personnes. Mais là, il y a un petit problème. Si la bourgeoisie ne veut pas, on fait quoi? Et elle ne voudra pas. En fait, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que la bourgeoisie regarde l'application du programme de réforme sociale de l'avenir en commun, les bras croisés, comme ça, en attendant 2027, en espérant que la droite repasse au pouvoir et revienne sur toutes ses conquêtes sociales? Non, ça, c'est complètement impossible. D'autant plus qu'il y aurait des effets économiques de l'application des réformes de l'avenir en commun directement dans la concurrence mondiale, avec une baisse directe de la compétitivité du capital français. Et ça, le capital français, il ne le tolérera jamais. Et donc, il usera de tous les moyens à sa disposition pour forcer un gouvernement de la France insoumise, s'il arrive au pouvoir, tout simplement à capituler, à renoncer à son programme. Alors, quels sont les moyens à disposition de la bourgeoisie pour ça? Alors, elle ne fera pas un coup d'État, bien sûr, On a vu que ça titillait certains généraux de l'armée l'année dernière, mais un coup d'État contre un gouvernement de la France insoumise, ça radicaliserait toute la situation, ça jetterait le mouvement ouvrier dans la rue. Ça, la bourgeoisie, elle ne le fera pas. Elle n'est pas bête, et en plus, elle n'a pas besoin de ça. Elle a d'autres moyens, en particulier des moyens économiques. Si un gouvernement de la France insoumise arrivait au pouvoir, la bourgeoisie française organiserait, saboterait l'économie en fait. Il y aurait des fuites de capitaux, grève des investissements, chantage à l'emploi, donc le chômage qui serait disséminé dans le pays, une campagne médiatique très féroce contre le gouvernement en place de la France insoumise. L'Union européenne également ajouterait ses propres pressions financières, ça j'y reviendrai juste après. Et face à cette situation en fait, de sabotage de l'économie, il y aurait deux possibilités pour un gouvernement de la France insoumise. La première possibilité, ce serait capituler. Exactement comme l'a fait Tsipras, par exemple, en 2015, qui avait été élu sur un programme anti-austéritaire de réforme sociale, lui, il a capitulé. Mitterrand l'a fait également lors du tournant de la rigueur en 83. La deuxième solution, qui serait la bonne pour un gouvernement de la France insoumise, ce serait passer à l'offensive en privant la bourgeoisie des moyens de saboter. C'est-à-dire en nationalisant les grands leviers de l'économie, toutes les banques, la grande industrie, la grande distribution, l'énergie, les transports, etc. Tous les grands leviers de l'économie, donc en fait, en expropriant les saboteurs, en leur privant tout simplement les moyens de saboter l'économie. Et là, il y a un problème, c'est qu'en fait, l'avenir en commun n'anticipe pas du tout la réaction de la bourgeoisie. Ce que devrait faire l'avenir en commun, et Mélenchon, c'est sélectionner, dire dans la société, qui est la seule force sociale qui est capable, au final, d'arriver à l'expropriation de la bourgeoisie, qui est la classe ouvrière. En fait, ce que fait Mélenchon, là, c'est un petit peu comme si un général partait à la guerre sans prévenir son armée. On voit bien que ça tient pas la route. Et en plus, si on regarde l'avenir en commun, au niveau des nationalisations, c'est très peu. C'est même beaucoup trop peu par rapport à les réactions de la bourgeoisie, s'il y avait un gouvernement de la France insoumise qui arrivait au pouvoir. On les a relevés. Précisément, l'avenir en commun propose de nationaliser la SNCF, Ariane Espace, la Française des Jeux, la branche énergie marine d'Alstom, les autoroutes, les aéroports récemment privatisés, EDF, Engie et des banques généralistes.
qui dit des banques généralistes, dit pas toutes les banques généralistes. C'est-à-dire qu'il resterait des banques pour financer la bourgeoisie. Et ça signifie que l'essentiel de l'économie, en fait, resterait dans les mains du secteur privé, donc dans les mains de la bourgeoisie, donc dans les mains des saboteurs. En fait, Mélenchon exclut explicitement de nationaliser les grands moyens de production, il le dit souvent d'ailleurs dans ses discours, dans ses prises de parole, et ça c'est la carence majeure de toute sa politique qui se manifeste à tous les niveaux de son programme. Prenons par exemple la question de l'écologie, de l'environnement. C'est une grande partie de l'avenir en commun, à raison, parce que c'est quand même crucial aujourd'hui comme sujet, et il est clair que le capitalisme ne pourra pas résoudre ce problème. Un chiffre, que 100 entreprises en fait sont responsables de plus de 70% d'émissions de gaz à effet de serre, dans le monde. La course au profit est complètement incompatible avec une gestion rationnelle des ressources productives. Il y aurait la nécessité d'investissements colossaux, notamment dans les énergies renouvelables, où il n'y a que la puissance publique qui pourrait le faire, parce que les capitalistes investissent, eux, dans les investissements justement les plus rentables à court terme et font des profits monstres sur les énergies polluantes et sur les énergies fossiles. À la crise climatique, l'avenir en commun répond planification écologique. C'est très bien. Le mot de planification qui revient dans la gauche, c'est quelque chose qui est très bien. C'est beaucoup mieux, en fait, que le capitalisme vert que propose le Parti Socialiste ou Jadot ou les Verts. Mais en fait, planifier l'écologie sur la base d'une économie de marché, c'est quelque chose qui est complètement impossible. On ne peut pas planifier ce que l'on ne contrôle pas et on ne peut pas contrôler ce que l'on ne possède pas. Comment planifier, par exemple, la transition vers des énergies renouvelables si on ne possède pas le secteur de l'énergie ? Ou d'autres exemples, hein, il nécessite un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments déjà existants et un grand plan de construction de nouveaux bâtiments, mais hors de question qui servent directement les profits des grandes entreprises du BTP. Sinon, ce serait tout simplement un transfert d'argent public encore dans les poches des grands capitalistes. Donc, il faudrait nationaliser toutes les entreprises du BTP, les grandes entreprises. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire si la distribution alimentaire reste entre les mains de parasites qui, au final, distribuent simplement pour faire du profit? Donc non, il faudrait, et qui n'ont que faire du gaspillage au final, il faudrait nationaliser la grande distribution, ou enfin comment lutter contre l'obsolescence programmée sans nationaliser tout le secteur de production d'électroménager. C'est complètement impossible, et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. En fait, il nécessite une planification économique, sans quoi la planification écologique serait complètement suspendue en l'air. Elle servirait à rien, elle serait impossible. Ceci nous amène à une autre partie de l'avenir en commun, sur les coopératives. L'avenir en commun propose, je cite, de généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative en favorisant le développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif et les sociétés coopératives et participatives, les SCOP. Autrement dit, l'avenir en commun propose une généralisation des coopératives pour que, je cite encore, le coopérativisme devienne l'alternative à l'économie libérale. Et, je cite encore l'avenir en commun, puisque le capitalisme ne supporte pas la démocratie, remplaçons-le. Alors c'est là qu'on voit quand même une petite confusion entre l'économie libérale et le capitalisme, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Hein. Mais en fait, il faut savoir que le coopérativisme n'est pas du tout une alternative au capitalisme. En effet, il y a deux problèmes. C'est que les coopératives restent en fait sur une économie de marché. Les coopératives sont en concurrence sur un marché. Or, pour faire face à la concurrence, il faut recourir forcément aux bonnes vieilles méthodes capitalistes, avec accroissement de la productivité et de l'intensité du travail, blocage ou baisse des salaires, réduction de la masse salariale, donc licenciement. Hein. Autrement dit, en fait, les travailleurs possèdent l'entreprise, mais ils sont obligés de s'exploiter eux-mêmes, de s'auto-exploiter, suivant les méthodes qui sont à l'œuvre, en fait, dans les entreprises capitalistes les plus classiques. Et ça finit souvent par introduire une différenciation croissante au sein de l'entreprise, avec des travailleurs qui vont diriger et des travailleurs qui sont dirigés. Donc, ils persistent encore l'exploitation. La deuxième raison, c'est que le coopérativisme est incompatible avec une planification démocratique de l'économie. Et que la planification démocratique de l'économie est la seule alternative viable au capitalisme et à l'économie de marché. Nous, marxistes, nous défendons une société dite socialiste. C'est-à-dire que nous voulons en finir avec l'économie de marché en mettant en place une planification démocratique et rationnelle des ressources pour que l'économie serve les besoins de la population et non plus les profits de quelques-uns. Ça, c'est le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique, hein, dont je viens de parler tout à l'heure, et de concentrer toutes les forces productives de l'humanité pour éliminer la misère, la famine et tous les maux de la société. Sauf que la planification, en fait, nécessite une centralisation des ressources. C'est-à-dire que sous le socialisme, les travailleurs d'une entreprise nationalisée, oui, exerceront un contrôle
sur leurs propres conditions de travail et de méthodes de production, mais seulement dans la mesure où leur entreprise sera intégrée à un plan d'ensemble et où d'autres couches de la classe ouvrière auront leur mot à dire sur ce qui est produit dans cette entreprise. C'est-à-dire que le socialisme, c'est la planification démocratique de l'ensemble de l'économie par l'ensemble de la classe ouvrière via un système de délégués élus et révocables en comités, par exemple, d'usines, de villes, de départements, de régions, de branches, de secteurs, comités nationaux, comités internationaux. Et c'est cette organisation démocratique de la société qui répond en fait aux nécessités locales comme aux plus grandes nécessités qui seraient internationales. C'est ça en fait le socialisme. Et le coopérativisme, en restant sur le marché et en individualisant en fait la production à une seule entreprise, est incompatible avec ce système qui est en fait la vraie seule alternative au système capitaliste. Sur la 6ème République, qui est présente dans l'avenir en commun. La 6ème République, sur la base d'une économie de marché également, ne serait qu'une nouvelle République bourgeoise de plus. Alors que je dis ça, ça signifie pas que les marxistes sont indifférents aux réformes démocratiques dans le cadre du capitalisme. Pas du tout. Par exemple, nous sommes pour le droit de vote des étrangers à toutes les élections, et pas seulement aux élections locales comme ce qui est présenté dans l'avenir en commun. Nous sommes pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier, ce qui est présent dans l'avenir en commun, et nous sommes pour beaucoup d'autres réformes démocratiques dans le cadre du capitalisme. Mais on ne se fait pas d'illusion pour autant sur ce qui est réellement la démocratie bourgeoise. C'est-à-dire qu'en démocratie bourgeoise, comme celle dans laquelle on vit, le véritable pouvoir, il ne se trouve pas au Parlement, il ne se trouve pas à l'Élysée, il se trouve directement dans les conseils d'administration des grandes entreprises qui détiennent l'économie, donc des moyens de pression considérables pour garder le pouvoir politique, faire pression sur le pouvoir politique, qui détiennent les médias également, d'où la nécessité de les exproprier et de les placer directement sous le contrôle démocratique des travailleurs eux-mêmes. Sans quoi la 6ème République ne pourra en aucun cas améliorer les choses, c'est-à-dire que la 6ème République donc, devrait être une République sociale. C'est ce mot d'ordre en fait qu'il faudrait, socialiste, c'est ce mot d'ordre que Mélenchon devrait porter. Une République sans les saboteurs, sans la bourgeoisie, en fait, qui se donne pour programme d'exproprier la classe dirigeante pour placer les moyens de production sous le contrôle direct des travailleurs eux-mêmes. Sinon, la 6ème République serait, encore une fois, en dernière analyse, la dictature du capital, où resterait en place l'exploitation salariée. J'en viens maintenant à la politique internationale de la France insoumise, et notamment sur la question de l'Union européenne. J'ai dit tout à l'heure que l'Union européenne serait hostile à un gouvernement de la France insoumise. En fait, c'est évident, jamais l'Union européenne ne pourrait tolérer un gouvernement progressiste de la France insoumise dans le cœur de l'Union européenne. D'ailleurs, un gouvernement progressiste tout court. Et c'est pour cette raison principale qu'elle a fait céder, qu'elle a mis autant de pression sur le gouvernement de Tsipras. Parce que tout simplement, ça pourrait inspirer les autres peuples européens, et ça, l'Union européenne ne le veut surtout pas. On nous répond, oui, mais la France, c'est pas la Grèce. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans l'argumentaire de la direction de la France insoumise. C'est-à-dire que la puissance de la France est assez imposante, assez importante, pour faire tenir tête, en fait, pour tenir tête aux classes dirigeantes européennes. Alors, ok, du fait du poids de la France dans l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne, la classe dirigeante allemande en particulier, ne pourraient pas se comporter exactement comme elle a fait avec la Grèce. Par contre, des pressions, ça oui, elle pourra en exercer. Et notamment via la dette publique. L'avenir en commun, je cite, demande une modification du statut de la Banque Centrale Européenne. À quelle fin? Exiger de l'Union Européenne que la Banque Centrale Européenne transforme la part de dette des États qu'elle possède en dette perpétuelle à taux nul. En gros, qu'elle annule la dette. Et, je cite encore l'avenir en commun, c'est une autre mesure de l'avenir en commun, faire racheter par la Banque Centrale Européenne la dette publique qui circule sur les marchés financiers. Mais ça, en fait, c'est ce qu'elle fait déjà, la Banque Centrale Européenne. Depuis 2015 notamment, c'est ce qu'on appelle une politique d'assouplissement quantitatif qui vise à faire baisser le taux d'intérêt et à créer de la monnaie. En fait, c'est la version moderne de la planche à billets. Mais justement, avec la France insoumise au pouvoir, est-ce qu'elle le fera encore, la Banque Centrale Européenne? Certainement pas. En fait, en réalité, la Banque Centrale Européenne est complètement hostile à un gouvernement de la France insoumise et elle ne l'aidera pas, au contraire. Jamais elle n'acceptera non plus de transformer la dette des États en dette perpétuelle. Ce serait comme gentiment demander à un tigre de devenir végétarien. Vous voyez, c'est complètement contre nature. On ne peut pas demander aux ennemis qui ont des intérêts complètement différents d'un coup de devenir nos alliés. Ça, c'est quelque chose qui serait complètement impossible et complètement utopique.
Et si par exemple la Banque Centrale Européenne arrête de racheter la dette française sur les marchés financiers, ça provoquerait une flambée des taux d'intérêt de la dette française, ce qui serait un énorme moyen de pression, parce que ça provoquerait une crise majeure de la dette, ça minerait la croissance, ça provoquerait tout simplement une crise économique en France, les médias nationaux et internationaux feraient porter directement la faute sur le gouvernement de la France insoumise, des ultimatums seraient lancés venant de la bourgeoisie nationale comme des bourgeoisies internationales, et la seule réplique possible venant du gouvernement de la France insoumise serait la nationalisation des banques, de toutes les banques, et des grands moyens de production, en portant les travailleurs au pouvoir et en lançant un appel aux travailleurs de toute l'Europe. Or, ça paraît lointain, ça, comme mot d'ordre. Mais c'est beaucoup plus réaliste que de demander à la Banque Centrale Européenne de changer de nature. Ce serait la seule solution. Tsipras, d'ailleurs, il aurait pu faire ça. Hein. Il aurait dû faire ça. Il y aurait eu un énorme enthousiasme sur la classe ouvrière grecque et au-delà des frontières de la Grèce. Mais il n'a pas fait parce que c'était un réformiste et qu'il a accepté, justement, les lois du capitalisme parce qu'il n'a pas voulu le renverser. Alors, est-ce qu'il faut sortir de l'Union Européenne? C'est un mot d'ordre qu'on entend à gauche. Dans la France Insoumise également, je ne vais pas insister là-dessus, mais la position a un petit peu évolué. Vous savez, il y avait le fameux plan A, plan B, c'est un petit peu évolué. Mais en fait, il faut savoir que sortir de l'Union Européenne sans sortir du capitalisme, tout simplement, ça ne changerait absolument rien. C'est même un mot d'ordre qui pourrait être réactionnaire parce que ça soude les travailleurs français avec leur propre classe dirigeante et détourne l'attention du véritable ennemi qui est le capitalisme. L'Union Européenne, ce n'est que l'outil en fait du capital. Alors est-ce qu'il faut sortir de l'UE? Est-ce qu'on sortira de l'UE? Bien évidemment, mais seulement comme rupture révolutionnaire avec le capitalisme français. C'est-à-dire que s'il y a une révolution socialiste dans n'importe quel pays d'ailleurs, avec les travailleurs portés au pouvoir, forcément, on sortirait de fait de l'Union Européenne. Jamais l'Union Européenne accepterait un gouvernement des travailleurs en son sein. Dernier point sur la question de la guerre. Et notamment sur le rôle de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Je cite, « L'avenir en commun propose de renforcer l'ONU pour faire vivre un monde ordonné, car, en dépit de ses insuffisances, l'ONU reste le seul organe légitime, car universel, pour assurer la sécurité collective. Il faut donc refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. » Refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on peut accepter les interventions militaires sous mandat de l'ONU. C'est ce que propose l'avenir en commun. Et tout ceci est en complète contradiction avec ce qui est réellement, dans les faits, l'ONU. L'ONU, ça reste en fait ce que Lénine disait de la Société des Nations. C'est tout simplement la cuisine des bandits impérialistes. Et c'est pas parce que des bandits s'assoient autour d'une table qu'ils arrêtent d'être des bandits. Ça, faut bien le comprendre. Quand le Conseil de sécurité de l'ONU s'entend, au final, c'est simplement pour donner une couverture légale à sa politique impérialiste. Quelques exemples, hein, parmi tant d'autres. La guerre du Golfe de 90, puis l'embargo imposé à l'Irak entre 91 et 2003. Entre 500 000 et 1,5 million de victimes selon les sources, en majorité d'enfants, sous mandat de l'ONU. Le bombardement de la Libye en 2011, soutenu par Mélenchon, il faut le rappeler, parce que soutenu par l'ONU. C'est quoi le bilan aujourd'hui? Un pays ravagé, de grandes parties du pays dirigées par les fondamentalistes islamistes directement, donc le retour de la barbarie, le retour de l'esclavage également des migrants. Troisième exemple, Haïti. Une dictature mise en place directe des casques bleus entre 2004 et 2017, avec la répression féroce du peuple haïtien, des massacres, des crimes sexuels sur mineurs, tout ça sous mandat de l'ONU. En fait, il y a d'innombrables exemples des horreurs qui ont été commises par l'ONU dans l'histoire. L'ONU reste la légitimation légale de la politique criminel de l'impérialisme. Il ne faut pas l'oublier. Mais alors, eh bien, que faire face aux guerres impérialistes? Que proposent les marxistes face aux guerres? D'abord, il faut expliquer les véritables intérêts, qui se cachent derrière les guerres impérialistes. Les intérêts de Total et de Suez en Libye et en Syrie, par exemple. Expliquer les intérêts de Bolloré et d'Areva en Afrique, au Sahel, avec l'opération Barkhane, notamment. Et sur cette base, mobiliser le mouvement ouvrier contre ces guerres, et d'abord contre son propre impérialisme, notamment l'impérialisme français, parce que c'est bien lui qui ravage et qui pille l'Afrique et le Moyen-Orient. Et enfin, expliquer que les guerres impérialistes sont des conséquences inéluctables, en fait, du capitalisme actuel. Que ce sont des guerres pour le partage du monde, pour trouver de nouvelles zones d'influence, pour contrôler des matières premières, pour exploiter de la force de travail, pour trouver de nouveaux marchés pour écouler les marchandises de la bourgeoisie, et donc pour en finir avec ces guerres, il faut tout simplement en finir avec le capitalisme qui en est la cause, mais également plus largement pour en finir avec tous les maux de la société de classe, et en particulier
du capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui les produit aujourd'hui, donc avec la pauvreté, la misère, le chômage, les crises économiques, les politiques d'austérité, la destruction des services publics, pour en finir aussi avec les oppressions, pour en finir avec le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, pour en finir avec les catastrophes environnementales, avec la crise écologique, la seule solution, c'est d'en finir avec ce qui en est la cause, le capitalisme. Il faut en finir avec le capitalisme en France, mais également à l'échelle internationale. Et pour ça, il y a besoin d'une internationale révolutionnaire dans tous les pays pour porter notre classe, la classe ouvrière, au pouvoir et aller vers la victoire qui est le socialisme. Et ça, c'est le joli combat qu'on vous invite à mener avec nous à la TMI. Et je vous remercie. Pour répondre à quelques questions, pas toutes parce que vous n'avez qu'à trouver leurs réponses, sur toutes les questions qui demandent s'il faudrait un autre candidat que Mélenchon, par exemple, ou qui portent sur la personnalité de Mélenchon, si c'est à cause de Mélenchon, par exemple, que la France insoumise n'a pas plus d'influence, en fait. En fait, nous, on ne regarde pas du tout la personnalité de Mélenchon ou le candidat. On regarde surtout, en fait, le programme et le discours qui est mis en place. Et pour que la France insoumise, si elle veut pouvoir gagner, en fait, il faut tout simplement qu'elle fasse un virage à gauche. Nous, c'est ce qu'on explique. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation dans la société, et pour qu'elle puisse aspirer cette radicalisation et arriver au pouvoir, il faudrait qu'elle vire à gauche. Par contre, on ne dit pas que si Mélenchon était marxiste, il arriverait au pouvoir. Ça, c'est un autre argument. Par contre, on dit que seul un programme marxiste peut arriver à transformer la société. Vous voyez les deux arguments qui, au final, sont différents. Sur le stalinisme et le parti communisme, c'est vrai que le parti communiste est un parti qui est complètement bureaucratique. Juste sur le mot d'ordre, notre mot d'ordre de transformer la France insoumise en un parti, en fait, on se rend compte que beaucoup de militants de la France insoumise, à premier abord, comme les Gilets jaunes d'ailleurs, bien ne veulent pas transformer leur mouvement en un parti bureaucratique, comme l'exemple qu'ils ont du Parti communiste ou du Parti socialiste. Nous, quand on parle d'un parti, c'est un parti totalement démocratique. Et une des conditions pour qu'un parti soit démocratique, c'est que les militants de ce parti soient formés, tout simplement. Il faut les former. La seule formation qui est viable dans cette société-là, c'est le marxisme. Rapidement, également sur la stratégie, qui est la stratégie du NPA, notamment du lutte ouvrière, qui est de présenter des candidatures en face de Mélenchon et du camp réformiste. En fait, on sera d'accord sur le fait qu'il faut un parti révolutionnaire. Encore, dans le NPA, ils ne disent pas tous les candidats. On est d'accord sur le fait que les partis réformistes trahissent. Par contre, nous, on n'est pas d'accord sur le fait qu'il faille tourner le dos au parti réformiste. Parce que si on tourne le dos au parti réformiste, tout simplement, on tourne le dos aux millions de jeunes et de travailleurs qui ont encore des illusions réformistes. Et en fait, on confond tout simplement l'indépendance du programme et on se rend indépendant de l'avant-garde. Et donc, on est condamné à rester en marge du mouvement ouvrier. Jamais les travailleurs vont se tourner vers une petite organisation qui les méprise en leur disant « Vous êtes des réformistes, vous n'avez pas compris, il faudrait voter pour nous et on reste à 1%. » On prend le drapeau rouge, on plante dans le désert. Au final, on ne fera pas grand-chose et on ne pourra jamais construire un parti de cette façon. Je vais juste revenir un petit peu sur ce qu'est le marxisme. Alors le marxisme, c'est une méthode d'analyse, mais également un programme pour transformer la société. Et donc cette méthode d'analyse nous permet tout simplement de comprendre la période dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on est dans une période de crise organique du capitalisme. En fait, le capitalisme, dans son stade normal, on va dire, a une respiration, période de croissance, période de récession. Et aujourd'hui, depuis 2008, comme je disais, on est entré dans une période de crise organique du capitalisme. C'est-à-dire qu'on est dans un marasme économique où la respiration de l'enfant du capitalisme est devenue une respiration de vieillard. En fait, le capitalisme est à l'agonie. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008? Eh bien, la bourgeoisie, les classes dirigeantes du monde entier, ont été obligées de mettre en place des politiques d'austérité, notamment mises en place par le Parti Socialiste en France. Et de là a débouché une polarisation politique, c'est-à-dire une radicalisation à gauche comme à droite. D'où l'émergence, notamment, de la France insoumise en France. Mais aussi d'autres forces de gauche, comme Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, de Corbyn en Grande-Bretagne. Ça, c'est la radicalisation qu'il y a à gauche. À droite, on a connu l'émergence de Trump, de Bolsonaro, de Le Pen, d'Orban, etc. Mais qui dit que ces partis de gauche radicales ont marché, parce qu'il y a encore des illusions réformistes, justement, dans la population. Quand il y a une crise organique du capitalisme, la base du réformisme, la base matérielle du réformisme, en fait, elle s'effondre. Tout simplement parce que la base matérielle du réformisme, c'est une période de croissance du capitalisme pendant laquelle la classe dirigeante peut lâcher quelques réformes pour acheter la paix sociale. Lors d'une crise organique du capitalisme, elle ne peut plus faire ça. Et pourtant, il y a quand même des illusions réformistes. Ça montre bien qu'il y a en fait un retard de la conscience sur la réalité
et qu'il faut faire avec les illusions réformistes de la population. Et c'est là qu'on parle en fait de tactique de parti révolutionnaire. Comment on construit le parti révolutionnaire? Nous, on pense tout simplement qu'il faut aller chercher la petite minorité qui aujourd'hui est en train de tirer des conclusions plus radicales que la moyenne. C'est une stratégie d'avant-garde, hein. C'est déjà ce qui a marché dans l'histoire, on n'invente rien. Il faut aller recruter, notamment dans la jeunesse, ceux qui ont compris déjà qu'il fallait transformer la société. Les recruter, les former au marxisme, parce que le marxisme est la seule théorie viable qui puisse nous permettre de changer les choses. Les recruter pour ensuite faire une organisation de cadre. Et après, les conditions, elles vont se radicaliser. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y aura une nouvelle crise économique en fait, qui va arriver, qui vont tout simplement radicaliser les conditions. Et plus les conditions se radicaliseront, plus les idées qui paraissent radicales aujourd'hui deviendront les idées qui paraîtront au final les plus raisonnables. Parce que ça correspondra tout simplement à l'État au niveau de la lutte des classes. Et donc il y aura forcément des révolutions. Aujourd'hui, on voit des révolutions qui arrivent un petit peu dans les pays, on se rappelle l'année 2019, en Amérique latine, en Afrique, etc. Mais à un moment donné, ça va arriver également en France, ces révolutions. Et là, il faudra avoir constitué, avec la tactique dont je viens de vous parler, une tendance révolutionnaire dans le mouvement ouvrier, formée aux marxistes. En gros, il faut constituer ces cadres marxistes qui sont un petit peu, si on prend une analogie militaire, comme les généraux qui pourront se tenir prêts quand l'armée va se lever, quand les travailleurs se mettront en mouvement. Et cette tactique-là, c'est la seule façon, à un moment donné, d'aller contester la direction du mouvement ouvrier aux dirigeants réformistes, et donc d'en finir définitivement avec le réformisme. Et je vous remercie.